Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tuto. Donc cette fois-ci ça va être pour comment gagner de l'argent sur Paypal. Donc je vais vous montrer plusieurs astuces, donc ça va être très rapide. Donc première astuce c'est Tremor. Donc Tremor, voilà, j'en ai parlé déjà dans mes vidéos pour les jeux vidéo. Donc ah oui, juste au cas où, tous les liens sont dans la description, voilà. Donc voilà, Tremor, en fait mon astuce c'est de d'avoir le plus de points possible pour acheter ensuite dans CSGO des skins. Donc là par exemple avec 504, donc on va régler ça par prix. Avec 504 je peux avoir alors attendez, il faut que je trouve la bonne page. Donc 504, le skin le plus gros que je peux avoir c'est le MP9 Ruby Poison, qui me coûte 58 centimes. Donc là bien sûr je suis que à 504, je peux avoir beaucoup mieux bien sûr. Mais du coup ce que je vais faire avec ces points là, je vais... Ah bah là je viens de gagner avec mes filleuls 26 points. Donc là je suis à 530. Donc du coup bon, je vais pas augmenter, mais bon, je vais juste vous montrer l'astuce. Donc avec cette arme là je vais l'acheter, donc je vais redeem, je vais l'avoir dans mon item, et après je vais l'avoir donc dans mon inventaire. D'accord. Quand j'ai tout ça, je vais sur le site, donc toujours en description, Skin Cache FR. Donc c'est un skin qui a été, comment dire ça, sponsorisé par plein de gens, Jarchel Xi et tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de l'arnaque, ça marche vraiment. Donc vous voyez, donc déjà il n'y a pas tous les skins qui sont vendables. Parce que tout simplement, les skins à 1 centime, ils les reprennent pas parce qu'en fait, ils prennent une taxe. Donc par exemple, là, qu'est-ce qu'on va... On va regarder ça là par exemple. La Scarving fibre de carbone. Donc on va regarder ça tout de suite. Inventaire. Ils me la reprennent à 1 centime alors qu'à la base, elle coûte 6 centimes. Vous voyez. Donc le truc, c'est que certes, ils la reprennent pas au prix fort, mais ils te donnent quand même de l'argent Paypal. Donc... là, sur Tremor, tu peux pas avoir de l'argent Paypal, mais tu peux avoir des skins CSGO qui peut te donner de l'argent Paypal. Donc voilà. Avec ça, donc là par exemple, si je vends tout, parce que vous voyez, j'ai des skins à 1,31 € et tout ça. Voilà, ça me ferait 3,14 €. Bon, c'est pas grand chose, enfin 3,14 $, pardon. Mais bon, certes, c'est pas beaucoup, mais il faut savoir un autre truc, c'est que des fois avec Tremor, vous pouvez aussi acheter des jeux. Donc les jeux qui se retrouvent ici, vous réglez par prix, encore une fois. Price lowest to highest. Mon français, mon anglais est trop bien. Voilà, c'est des wargames, donc il faut bien vérifier que ce soit Steam Games. Alors attendez, Steam Game, Steam. Voilà, Steam Game. Teddy, Floppy, Air, Kayaking, Steam Game, 49 Tremor Coin. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. Et quand je mets ma souris dessus, vous allez le voir, en dessous de Price 49 Tremor Coin, vous allez voir Trading Cards. Donc ça veut dire qu'il a des cartes à échanger. Les cartes à échanger, donc sur Steam, vous les voyez dans votre inventaire, ici. Et vous allez dans Steam et vous voyez vos cartes ici. Donc en fait les cartes vous pouvez les vendre. Donc là vous voyez par exemple ça vaut 6 centimes, ça là elle en vaut 5, etc, etc. Ça là je crois qu'elle en vaut 9, voilà 9, et ça là 10, voilà ça là 10, et ça là 4. Donc voilà, vous vendez toutes vos cartes Steam et vous allez avoir un porte-monnaie Steam, enfin de l'argent sur votre porte-monnaie Steam. Vous pouvez après aller dans le marché, dans communauté, et dessus vous pouvez acheter des skins CSGO. Alors moi c'est ce que j'ai fait avec les cartes que j'ai gagnées. J'ai acheté des skins. Donc vous voyez, donc celui-là il a 29 centimes, donc ça va à peu près me rapporter 19 je pense. Celui-là il coûte 4,49 €, donc celui-là il va me rapporter à peu près 3 €, 3,50 €. Et celui-là, 28 €. Voilà. Donc là, du coup grâce aux cartes Steam, j'ai pu me faire 3 skins. Et du coup là, là je suis à seulement 3,14 €. Mais juste avec le skin à 30 €, je vais monter au moins à 25. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là je peux pas parce que tout simplement je l'ai acheté récemment et que voilà, elle est échangeable après le 24 février. Donc là on est que le 18. Voilà, donc d'ici le 24 je pourrais me faire 30 € facilement. Donc voilà, cette astuce elle marche sur Tremor. Mais bon voilà, ça va vous prendre un peu de temps. Pour savoir comment marche Tremor, je vous conseille d'aller voir le tuto que je vous mets en fiche en haut à droite. Vous cliquez sur le petit i. Et je mettrai la vidéo du tuto pour avoir des jeux Steam. Et du coup j'explique comment faire pour avoir des points sur Tremor. Je vous explique vite fait quand même, vous cliquez sur Get Coin. Et vous allez dans Persona et dans Peanut Lab. Il y a des sondages. Après dans Supersonic, ici les applications mobiles, vous pouvez télécharger des applications, donc iPad, iPhone ou Android. Et sur Trial Play il y a des jeux intéressants, à faire. Par exemple, voilà, jouer à My Free Zone, ça vous fait rapporter 480 Tremor Coin. Supersonic Brand, des fois il y a des vidéos à regarder, est-ce que là il y en a? Oui, là il y en a, donc vous cliquez dessus et ça vous rapportera quelques petits points. Après Matomi, il y a aussi des vidéos à regarder, et voilà, vous essayez un petit peu tout en fait. Mais bon, ceux qui marchent le plus c'est Persona, Peanut Lab, Supersonic Brand, Trial Play et Token Ads aussi, il y a un sondage à faire. Voilà, donc après vous allez dans Tremor Rewards, vous allez dans CSGO, vous achetez votre skin. Et quand vous avez acheté votre skin, donc ce qui est bien sur Tremor Games, c'est qu'il n'y a pas le temps comme sur Steam. Parce qu'en fait sur Steam, quand vous achetez un item sur le marché, il est échangeable que 10 jours après. Alors que sur Tremor, en fait, comme c'est considéré comme une personne, si vous échangez avec lui, bah en gros vous allez directement avoir le skin, directement dans votre inventaire. Donc voilà. Ensuite, donc voilà, ça c'est pour les skins CSGO. Ensuite il y a Moolineo. Donc Moolineo c'est un site avec des missions, c'est un peu comme Tremor en fait, il y a des missions, des sondages et tout ça. Et ça vous rapporte des euros. Donc là par exemple, quand on se connecte sur le site, chaque jour, même si vous ne faites pas l'émission parce que vous avez la flemme, vous avez juste à vous connecter une fois par jour sur le site. Et vous voyez, chaque jour de connexion, une surprise à gagner, cliquez sur l'un des 3 cadeaux et remportez des euros, des produits à tester ou encore un iPhone 6S. Donc moi pour l'instant j'ai gagné que des euros. Quand je dis euros, c'est plutôt centimes. Ma plus grosse somme en même pas une semaine, ça a été 10 centimes à peu près. Et en général, c'est entre 1 et 3 centimes que je gagne. Donc moi, je clique toujours sur celui de gauche, donc c'est peut-être qu'il faut pas. Mais moi, je clique toujours sur celui-là et je gagne je gagne pratiquement que des centimes. Voilà. Donc voilà, je vais cliquer, mais comme j'ai déjà participé, voilà. Donc, solde et historique. Donc voilà, par exemple, là, en une semaine, ce que je me suis fait, c'est 3,80 €. Et en gain potentiel, 3,140 €. Parce que là, il y a 56 centimes... qui sont en attente. Donc là j'ai au moins 3,08 €. Enfin c'est 3,08 €, pas 3,80 €, pardon. Donc là en une semaine je me suis fait 3 €. Sachant qu'on peut les récolter à partir de 15 €. Ça veut dire qu'en 5 semaines je me fais 15 €. Donc ça a l'air un petit peu long, mais moi je suis pas très actif. Donc si je vous montre par exemple dernièrement, donc là 18-17 j'ai été actif. Voilà. Et là par exemple pendant 3 jours j'ai pas du tout été actif. Entre le 17 et le 14 j'ai rien fait quoi. Donc voilà, là je vais vous montrer par exemple vos missions. Donc ça c'est là où il faut aller. Bon là on va falloir attendre 30 petites secondes normalement. Voilà, là pendant que ça tourne, j'ai un petit truc qui s'affichait. Cliquez simplement sur le bouton ci-dessous, attendez le changement du site partenaire et gagnez immédiatement 1 centime. Je clique dessus. J'ai mal cliqué, excusez-moi. Je clique dessus, ça s'ouvre. J'attends que la page charge bien. Elle a chargé. Je ferme, je vérifie. Je me suis fait 1 centime à 15h11 et il est 15h11. Voilà. Donc là je suis du coup à 3,09 €. Donc vous voyez c'est vraiment des missions simples à faire. Et c'est plutôt, plutôt rentable quoi. Donc là je vais vous montrer sur le site qu'est-ce qui marche dans maintenant, c'est-à-dire afficher la messagerie. Et voilà, donc là, alors, il y a des trucs qui fonctionnent mais pas avec moi. C'est-à-dire que, alors attendez, je vais refaire le petit speed click. Voilà, j'attends que la page se charge ici. C'est chargé, je ferme, je vérifie. 15h12 pardon. Donc là c'est bon. Donc voilà, là vous allez avoir toutes les missions en dessous. Donc par contre je vous conseille si vous avez un bloqueur de pub, je vous conseille de le désactiver mais complètement pour faire ce site là. Genre vous l'enlevez carrément de votre extension. Donc pour l'enlever extension vous cliquez ici, enfin en tout cas pour Google Chrome, paramètres, vous allez dans extension et vous cliquez sur désactiver ici. Voilà. Donc du coup pour Moolineo, donc en fait là vous allez voir les actions à faire, action, inscription, annonce, pour les annonces ça sert à rien, et visite, etc. Donc les inscriptions c'est un truc qui marche mais une fois sur deux, donc c'est un petit peu chiant. Voilà, c'est pour ça que je les fais même plus. Moi ce que je fais c'est les visites, donc les visites qui rapportent 1 centime, et les publications sur Facebook. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, là par exemple, je l'ai pas fait celui-là, mais voilà, là si je clique dessus, je vais visiter le site, ça va me rapporter 1 centime, d'accord. Et quand j'aurai visité le site, alors attendez, je clique, voilà, là il y aura écrit publier, ça me rapportera 3 centimes. Donc là je copie ça, je clique sur aller sur Facebook, et ça va m'amener tout simplement sur Facebook et je le mettrai en statut. Mais pour éviter de faire chez vos amis, moi je vous conseille de créer un compte Facebook. C'est ce que j'ai fait moi pour ma part. J'ai créé une page Facebook exprès pour ça, j'ai ajouté plein de gens au hasard, et du coup je mets tout dessus. Et ça me rapporte quand même les points, vous voyez. Donc en fait, parce que là, si vous allez cliquer sur aller sur Facebook, vous allez avoir votre compte à vous. Donc en fait, avant d'aller sur Moolineo, je vous conseille d'abord de vous connecter sur votre compte Facebook, qui sera exprès pour les publications. Donc voilà, 3 centimes par publication, c'est très rentable, vous voyez. Donc attendez, je vais cliquer dessus, voilà. Donc quand je clique dessus, ça va me mettre un petit compteur de 30 secondes. Donc pendant ce temps, je peux aller ailleurs. Ouais, non, là je peux pas aller. Retour sur Moolineo, je ferme ça. Et voilà, là j'ai mes 1 centime à 15h14 normalement. Attendez, hop là, 15h14. À 15h14, je l'ai. Tac. Donc du coup, après, je peux publier sur Facebook. Bon, je vais pas le faire pour éviter de vous montrer mon compte Facebook. Mais du coup, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Vous voyez, il y a plein de publications. Donc là, juste avec les publications, 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12, 15. Et celui-là, 18. Donc là, juste avec les publications sur Facebook, je me fais 18 centimes. 18 centimes divisé par 3, ça fait 6. Donc je me fais 18 centimes plus 6 centimes de visite. Parce qu'à chaque fois, c'est avant la publication, il y a la visite ou la lecture. Donc visite, visite et visite. Voilà, donc ça fait 18 plus 6 centimes, ça me fait du coup 24 centimes. Alors 24 centimes juste avec les visites et les publications. Voilà. Ensuite, donc voilà, il y a les visites et les publications, mais il y a aussi les lectures. Donc les lectures, ça rapporte aussi 1 centime. Vous avez juste à cliquer dessus. Clac. J'attends que la page s'ouvre. Voilà. Un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Solide historique. Et voilà, j'ai mon centime à 15h15. Et là, je suis déjà à 3,12€ alors que là, je vais juste vous montrer. Je le fais pas sérieusement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très rentable ce site. Je crois que c'est le site le plus rentable que j'ai trouvé sur internet. C'est vraiment le plus... voilà. Après voilà, donc si vous voulez tenter les inscriptions, vous pouvez tenter. Après moi, je vous conseille surtout les visites et les publications. C'est ce qui marche sûr à 2 milliards de pourcents. En plus c'est instantané alors que les inscriptions, là vous voyez les trucs en attente en orange là, les 56 centimes, ben, c'est justement des inscriptions. J'attends toujours qu'on me donne mes sous. Donc là vous voyez il y a lecture, visite, donc ça fait 2 centimes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. etc. Donc voilà, à peu près vous faisiez entre 50 centimes et 1€ par jour quoi. Et sachant aussi qu'il y a un autre truc, c'est que si vous validez votre mail, ça vous fera 50 centimes. Et si vous téléchargez l'application... l'application, elle est où l'application? Je sais pas où elle est, si je clique sur l'accueil peut-être. Non, ah voilà, installer le logiciel Moolineo et gagner 50 centimes. Donc en fait, le logiciel Moolineo, il va juste vous dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle mission en fait. Mais ça vous fait quand même 50 centimes. Moi je l'ai pas fait, je vais le faire peut-être quand, si par exemple je suis à 14,50€ et que je suis trop impatient, je télécharge l'application. Mais voilà, pour l'instant je ne l'ai pas téléchargé, tout simplement parce que bah, j'en ai pas d'utilité. Et voilà. Donc ensuite, quand vous faites vos missions, vous allez gagner des tickets. Vous cliquez sur test de produit. Et en fait avec les tickets, vous pouvez participer à des giveaways on va dire. Donc là pour, par exemple, pour tester un des 5 Tassimo, un des 5 paquets de Tassimo à gagner, vous pouvez mettre 60. Enfin un ticket égale 60 G tickets. Donc vous voyez là j'ai perdu. Voilà. Et comme moi je suis un fan de Tassimo, voilà, je vais cliquer dessus. Et du coup je possède 10 tickets sur 1037, donc en gros j'ai une chance sur 137 de gagner. Sur 103 pardon, 103,7 de gagner. Ouais. Donc du coup, c'est intéressant. Bon, c'est quand même de la chance. Là c'est pas un rapport avec de l'argent Paypal ou quoi. C'est juste pour tester des produits, voilà, vous le faites tous les jours, ça peut être sympa, vous pouvez le gagner et voilà. Ensuite un autre truc à savoir, pour le reste tout ça c'est nul, enfin ça sert à rien. Après le jeu concours, si vous tryhardez à fond, vous pouvez le faire. Mais il y a un autre truc intéressant aussi, c'est Vidéo Loto. Donc Vidéo Loto, c'est un petit peu comme Bravo Loto, je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est vous choisissez vos numéros et un logo. Et en fait, toutes les heures, il va y avoir un petit... il va y avoir des gagnants, en fait. Donc là, par exemple, je sais pas, je vais choisir 1, 7, 8, 13, 14, 20, 17 et 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est ça, 8. Il faut 8 numéros et un symbole. Je clique dessus. Et après, je clique ici pour valider votre grille. Ok ? Donc là, ça va me le faire pendant 30 secondes. Comme j'ai la flemme, je vais pas le faire. Voilà. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, c'est que je vais vous montrer. Je vais pas attendre 30 secondes à chaque fois. Donc voilà, je reclique sur Vidéo Loto. Et du coup, ça va valider votre truc. Donc moi, j'ai pas eu trop de chance parce que déjà, je le fais pas souvent. Et que... parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je le fais pas souvent et je suis malchanceux en temps normal. Mais vous voyez en bas, il y en a qui ont gagné 5 centimes, 1 centime, voilà. Et voilà, du coup, vous allez avoir votre grille ici. Et le tirage par heure. Donc par contre, c'est un tirage pour chaque grille. C'est pas un tirage et toutes les grilles. Parce que du coup, pendant une heure, vous pouvez tryharder toutes les grilles, toutes les possibilités inimaginables. Et vous pouvez vous faire 2500€ tous les jours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc voilà, ça c'est un truc intéressant à faire si vous avez envie de le faire. Après vous n'êtes pas obligé. Voilà. Alors un autre truc aussi sur Moolineo, c'est donc le Speedy Wall. Donc Speedy Wall c'est un truc bon, qui marche une fois sur deux. Mais voilà, c'est des, comment dire ça, c'est des offres disponibles seulement avec une limitation en fait. Donc là vous voyez par exemple sur 1000, il y a déjà à peu près 575 personnes qui ont déjà participé, il reste plus que 425 places. Donc la mission c'est visite rémunérée, déstockage livré. Alors on va le faire de suite pour voir si ça marche. Je visite 45 secondes, putain. Bon, c'est pas grave, je peux visiter 45 secondes. Par contre j'ai pas de compteur. Donc voilà, on va pas visiter, on s'en bat les couilles. Et voilà, vous avez des petites rémunérations comme ça pour pas beaucoup. Donc là vous voyez c'est des inscriptions, donc les inscriptions comme je vous ai dit ça marche pas souvent. Mais bon, si vous voulez tenter quand même, c'est peut-être moi qui n'aime pas de chance ou qui, je sais pas, c'est peut-être moi qui mets des fausses informations. Alors que pourtant je mets des vraies informations et je valide les mails à chaque fois. Vous voyez là il y a encore une visite rémunérée. Donc voilà, là par exemple, là pour toute l'expertise anti-âge, offre est indisponible pour les hommes. Donc là voilà, il y a des trucs comme ça, c'est que pour les femmes. Il y a aussi des trucs c'est que pour les hommes. Mais voilà. Donc là je pense qu'avoir visité, non j'ai pas visité 45 secondes je pense encore. Voilà donc du coup, ça c'est intéressant voilà pour faire quelques petits points. Ouais c'est bon je les ai, vous voyez. Donc là je me suis fait encore 2 centimes. Donc vous voyez là, ça Speedy Wall je le faisais jamais avant. Parce que j'avais jamais vu qu'il y avait des visites rémunérées. Donc du coup ben, ça va me faire encore plus d'argent maintenant. Parce que d'habitude je voyais que des inscriptions qui marchaient pas. Enfin en tout cas pour ma part. Donc du coup... maintenant que je vois les visites rémunérées, ça va être plutôt pas mal. Donc voilà pour ce site. Ah si, il y a encore un dernier truc dans... Alors attendez, c'est où? Oui, c'est ça, c'est dans vos missions. Alors, en fait, je vous donne un exemple. Si vous, par exemple... Bah attendez, je vais trouver un exemple, je vais vous en parler. Alors attendez, cashback. On va cliquer dessus. Voilà, donc compte... Alors, pour que le compte soit validé, compte validé plus dépôt de 10 euros minimum. Donc en fait, il faut que vous inscrivez sur PMU et que vous mettez 10 euros dessus. Donc c'est pas forcément d'arnaque si vous êtes quelqu'un qui parie sur le PMU. Après bon, si vous le faites pas, je vous déconseille de le faire. Hein. Mais du coup, vous gagnez 10 euros. Nous rémunérons également 1000 golden tickets par tranche de 1 euro de commission. Par exemple, pour une commission de 10 euros, vous recevez également 10 000 golden tickets. Donc voilà, ça peut être intéressant. Les golden tickets, c'est justement ça pour les tests et les produits. Et voilà, vous faites un minimum de dépôt de 10 euros. Et apparemment, vous gagnez 10 euros à chaque fois que vous déposez 10 euros. C'est un peu bizarre, mais bon. Je comprends pas trop quand c'est une question de cashback. Mais si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller voir quand même, ça peut toujours être intéressant. Voilà. C'est-à-dire, en gros, vous déposez de l'argent et vous en donne en contrepartie. Ou alors, par exemple, sur Tremor, donc il doit y avoir la même chose sur Moolineo, par exemple, sur Tremor, c'était genre, faites une commande de minimum 15 euros sur Cdiscount pour gagner, par exemple, 1000 points. Donc en fait, au lieu d'aller directement sur le site Cdiscount, vous passez d'abord par Tremor, vous cliquez dessus, vous faites votre commande sur Cdiscount et vous gagnez 1000 Tremor plus la commande que vous devez faire en temps normal, vous voyez. Donc après ça peut être Tachi, ça peut être Cdiscount, ça peut être n'importe quoi. Et voilà. Donc voilà, pour ce site là c'est bon. Et une dernière petite astuce, donc je vais remettre mon petit Steam pour en parler. Donc petite dernière astuce, donc cette fois-ci c'est pour le téléphone. Donc téléphone, je vais vous mettre une image en grand pour vous montrer l'application. Pour avoir 500 points déjà sur cette application, vous allez voir dans ma description, il y a un code. Vous le mettez dans votre code parrainage, vous allez avoir 500 points. Et avec les 500 points, vous pouvez acheter des quiz. Donc je vais vous expliquer vite fait ce truc. Donc en fait, c'est une application sur téléphone. Par jour, vous allez avoir 5 quiz à faire. Les 5 quiz à faire, vous allez gagner des tickets de Tombola. Et le jackpot, c'est 25 euros. Vous pouvez gagner après, donc certes le jackpot c'est 25 euros, mais vous pouvez gagner 5 centimes, 1 euro, 3 euros, 4 centimes, etc. etc. Vous participez aux 5 quiz, donc c'est pas vraiment des quiz en fait, c'est donc en fait vous avez une image et vous devez tout retenir à peu près tous les détails de l'application, par exemple, tous les détails de l'appui par exemple. Donc je sais pas, il va avoir écrit par exemple Uber, trafic entre 23h et minuit, 5 euros minimum, enfin un truc comme ça. Et bah, du coup après ils vont vous poser entre 3 et 5 questions. Par exemple ils vont dire comment s'appelle l'application que vous avez vue, Uber. Et, enfin ça va être un... ça va être un... Comment on appelle ça? Enfin vous allez avoir des réponses en dessous. Donc vous allez avoir la question et 4 réponses. Donc vous choisissez Uber, donc réfléchissez, enfin regardez bien aussi comment ça s'écrit parce que des fois ils mettent Uber, A-I-R-E par exemple. Enfin voilà. Donc vous allez avoir 3 à 5 questions. Donc quelle est l'application, combien coûte minimum la conduite, etc., etc. Et Donc voilà, vous allez avoir 5 tickets par jour. Et tous les midis, en fait, ils vont faire le tirage. Et vous pouvez gagner, comme je vous ai dit, entre 0 centimes et 25 euros. Voilà. Bon, après, en général, c'est plus vers les... Enfin, il y a plus de lots à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centimes que 25 euros. 25 euros, il n'y en a que 1. Après, il doit y avoir 10 euros et 2, 3 euros à peu près. Et après, que des centimes. Voilà, donc il y a plus de chances que vous gagnez des centimes que des euros. Et donc, vous faites ça tous les jours. Et vous allez gagner... de l'argent que vous pouvez gagner ensuite sur Paypal. Et à partir de 5 euros, vous pouvez demander votre virement. Voilà, donc 5 euros, c'est largement moins que Moolineo. Certes, Moolineo, c'est largement beaucoup plus rapide parce que c'est pas de la chance, c'est plutôt de l'investissement. Alors que l'application Noon, enfin Noon ou non, je sais pas comment ça se dit, c'est plutôt des quiz et de la chance. Voilà. Donc vous faites ça tous les jours et vous allez gagner. Là par exemple, moi je suis à 18 centimes alors je l'ai téléchargé hier l'application. Vous voyez, donc à midi, ça veut dire que sur 5 tickets, je me suis fait 18 centimes. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je pense avoir eu de la chance. Mais j'aurais pu ne pas, j'aurais pu avoir 0 centimes sur les 5 tickets, vous voyez. Et donc, voilà, avec les 500 points que vous allez gagner avec mon parrainage, plus, parce qu'en plus de gagner des centimes, vous allez gagner aussi des points. Vous pouvez aller dans le Noon Shop. Et dans le Noon Shop, vous pouvez acheter des quiz. Donc par exemple, pour 490 Noon Shop, Noon points, vous pouvez gagner 10 quiz. Donc, sachant qu'il y en a 5 gratuits par jour et que vous pouvez en acheter. Avec des points qui sont totalement gratuits que vous gagnez juste en vous connectant sur le truc et en faisant vos tickets, vous pouvez racheter des quiz pour avoir encore plus de chances de gagner. Donc là par exemple, moi en une journée, en fait, moi j'ai eu de la chance, c'est qu'ils ont fait un genre de petit event, et ils ont offert 1500 points à tous les gens qui cliquaient sur le l'event. Donc moi du coup je suis à 1800 et quelques là. Donc en une journée je suis à 1800 points, sachant que 10 quiz coûte 500. Donc là je peux me faire 30 quiz totalement gratuitement. Donc du coup 30 chances de plus de gagner beaucoup plus. Donc je pense avoir fait le tour des trucs qui marchaient vraiment pour avoir de l'argent sur Paypal. Donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous voyez, je suis très actif sur YouTube. Donc dès que j'ai un commentaire, je réponds si je peux y répondre. Si je peux pas y répondre, je dis désolé, je peux pas y répondre. Mais n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et enfin me demandez pas si c'est vraiment, si ça marche vraiment ou si c'est de l'arnaque. Si j'en parle, c'est que c'est pas, enfin c'est que ça marche vraiment et que c'est pas de l'arnaque. Donc ça sert à rien de, enfin voilà, ça sert à rien de me dire, de me demander, de me poser cette question là. Si j'en parle, c'est que c'est logiquement que ça marche. Après voilà, je vous ai montré des preuves. Par exemple pour Tremorgames, c'est le truc qui marche le plus. Je vous ai montré que j'ai pu m'acheter des skins que j'aurais pas pu en temps normal, parce que 30 euros, je mets pas de 30 euros dans un skin comme ça. Enfin c'est peut-être un skin, mais voilà, tous les skins là ça va me servir à les, je vais tous les vendre pour me faire de l'argent sur Paypal. Voilà, et du coup hier j'ai pu m'acheter un trépied et un adaptateur VGA pour avoir un deuxième écran sur mon ordinateur. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien quoi. Je me suis acheté un petit trépied à 30 euros, c'est quand même sympa. Voilà, donc d'ailleurs, si vous avez des objets, HZ1 ou quoi, vous pouvez les vendre aussi. Donc là, par exemple, j'ai 2 caisses, parce que maintenant, il n'y a que les caisses qui se vendent. Donc là, j'ai 2 caisses et je pourrais les vendre bon, d'ici le 24 février aussi, c'est un peu chiant, mais voilà. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu et j'espère que ça va vous aider pour avoir de l'argent facilement sur Paypal. En tout cas, moi, ça m'aide grandement. J'arrive à faire des achats pour ma chaîne YouTube grâce à ça. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager à vos amis s'ils sont en galère d'argent ou quoi. N'hésitez pas à leur en parler sur Twitter, sur Facebook, n'importe où. Mettez un like si ça vous a aidé. Mettez un dislike si ça vous a pas plu. Écoutez, je peux pas plaire à tout le monde. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Pikachu!